chaud. C'est sur la toile défi avec Sandrine. C'est une toile en 50 par 45. Je crois que c'est la première vidéo que je vous tourne dessus. Je vous montrerai. C'est, de toute façon, vous l'avez vu dans les déballages. C'est Mario qui est en slip devant des porte-manteaux et qui cherche la tenue qu'il va mettre. Voilà. Donc du coup c'est un peu costume, donc elle faisait un thème carnaval et je lui ai demandé si ça passait, elle m'a dit oui. Donc là il y a du papier sulfure puisque c'est un entre-deux, c'était déjà coupé, c'est un double papier et du coup ça me gênait. Donc je vais attaquer avec vous cette, ce numéro là, le numéro 4. C'est ma dernière case que j'ai à faire pour cette semaine. Alors nous là on est le vendredi 26 et on a commencé cette semaine. Et du coup voilà. On va faire ensemble. Je vais peut-être pas faire toute la case avec vous parce que toute la case avec vous, en ce moment les cases de celle-là, ça me dure presque 2 heures pour les faire. Ce que je vous montrerai à la fin, je vous la montrerai entière. De toute façon vous allez la voir dans les avancées de la semaine. Dimanche, enfin je la tourne le dimanche, vous voyez lundi et vous allez voir comment qu'elle est cette toile. Mais c'est un peu une galère, voilà, c'est une galère parce qu'il y a beaucoup de beige. Enfin là, je peux vous montrer là le dessin, c'est celle là et vous voyez, alors là au dessus là vous avez au moins 20 lignes de beige. Là au moins 20 lignes de beige, là au moins 20 lignes de beige, et là pareil. Tout est centré avec des lignes de beige autour, et du coup c'est très compliqué. Donc moi j'ai déjà fait cette case là, celle là, et le bout là qui est tout beige. Et là aujourd'hui on est ici. Je fais en damier, donc là on va attaquer quelle lettre Si je fais les B, il y en a plein en dessous, donc du coup, vous ne verrez pas. Bon, on va prendre la première lettre qu'il y a. Je vais par contre dézoomer, du coup. Vous verrez. Non, dézoomer. Pour que vous voyez la case entière. Ce que je vais faire un peu partout sur la case. Et en même temps, je vais papoter avec vous. Donc là, la première, c'est du E. On va commencer par là. Donc c'est très long à faire. C'est vraiment, c'est ce que je disais dans la vidéo juste avant, que vous allez voir après, vous, avant, que vous aurez vu avant. Mais c'est vraiment une galère de faire une case de 10 par 10 quand vous avez que du beige. Donc là en plus il y a des... Je vais essayer de les écraser comme ça parce que là j'ai pas de cutter sous la main, j'ai rien. J'avais pas vu qu'il y a des mauvais plis. Il y a des bulles d'air, donc voilà. Hein, on va espérer que ça va coller quand même. Donc, de toute façon, moi après c'est verni et après c'est mis sous cadre. Donc logiquement il n'y aura pas de soucis. Ouais, quand vous avez beaucoup la même lettre qui se répète et la case est assez grande parce que j'ai fait 10 par 10 pour avoir mes 20 cases, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Après c'est le défi qui est comme ça, hein. C'est que comme moi quand j'attaque une case, ben je veux finir la case avant d'aller taper sur une autre toile, d'aller faire une autre toile. Bah du coup c'est compliqué. Donc je suis désolée, hein. Comme dans la précédente vidéo, je tourne juste 10 minutes à peu près après. Donc vous entendez encore le bruit de l'imprimante, je suis désolée, qui imprime. Logique, hein, une imprimante qui imprime, voilà. Je me fatigue moi-même. Donc
la pose normalement est plutôt pas mal, mais là, alors là, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Et le fond est beaucoup dans les tons rosés, rosé, beige. Et c'est ça qui est le plus fatigant. Je me suis même posé la question si j'allais pas enlever quelques lignes du tour. Je me suis dit trop tard, maintenant j'ai commencé. Je vais les poser, tant pis. Mais si j'avais réfléchi avant, je crois que j'aurais coupé quelques lignes du tour. Pour avoir moins de beige à poser. Alors que voilà, entre nous, je pense que c'est un peu inutile. Il y a des lignes qui sont vraiment inutiles. Alors là, c'est quoi ça? C'est le I. J'avais pas vu qu'il y avait un gros... vague là. Rivière, voilà, chercher le mot. Faut vraiment que j'aille dormir, hein, ça devrait. Mais j'avais des vidéos à tourner, donc pas de dodo. Puis c'est rare que l'après-midi je fasse la sieste. Je fais pas la sieste l'après-midi, moi. Ou alors c'est parce que je me suis écroulée sur le canapé en regardant quelque chose. Mais sinon, en principe, je fais pas la sieste. Même pendant mes grossesses, je ne faisais pas la sieste. Donc là, j'ai une cabinet. Hop, dégage. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais pas faire toute la même lettre, là. Je vais finir le plateau de E, là. De ce que j'ai sorti, et après, on va aller... prendre une autre couleur et faire un peu, je vais essayer de faire un peu toutes les couleurs. Je vais avancer un peu partout, comme ça moi il me restera les restes à faire, c'est pas grave, ça sera beaucoup plus sympathique. Surtout que moi des fois je m'endors sur Diamond Painting. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous tenez le stylo, vous êtes en train de poser une pierre et vous commencez à vous endormir et ça tout. Vous vous relevez d'un coup, vous dites « Ah, ben, je commence à m'endormir. » Ça me détend tellement que des fois, oui, je commence à somnoler, limite, sur mon DP. Je pique du nez, comme on appelle. C'est pas cool. C'est pas cool, surtout le soir. C'est ce que je fais le soir. En ce moment, je fais que cette toile-là. C'est ma toile du soir, devant la télé. Et après manger, c'est souvent le gros coup de barre. Et là, pion, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle pour monsieur qui me regarde. Pour moi, c'est moins drôle. Mais je lutte parce que je sais que je dois faire ma case. Donc là, ce soir, je n'aurai pas ma case à faire. Au tout du moins, j'aurai plus qu'à la finir. Donc ça prendra beaucoup moins de temps. Et du coup, je pourrais faire une case sur la toile de Luigi et Zelda. Parce que pour être à jour, il faudrait que je fasse, pour la finir forcément, fin mars, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, il faut que j'en fasse au moins 2 cases par jour. Donc ça devrait aller. Comme c'est du 5 par 5, ça va aller vite, mais juste il faut le faire. Il faut le faire. Donc là, ils sont où les E? Donc comme vous remarquez, hein, je ne mets pas de tablette lumineuse, ça ne sert pas là. Les symboles sont super bien marqués. Bah, vous êtes un peu plus loin pour que vous puissiez voir exactement où je fais. Mais non, les symboles sont super bien marqués. La toile est bien en elle-même, à part là que je viens de découvrir qu'il y avait des rivières. Mais sinon, ça va. Mais depuis le temps que je l'ai... alors attendez, je crois que j'avais la date de marquer dessus.
Janvier 2018. Je crois que ça doit être une des plus anciennes toiles qui me reste dans mon stock que j'ai pris. Alors, je vais soulever un peu sur le côté pour pouvoir passer mes pierres. C'est ce qui est embêtant aussi de tourner plusieurs vidéos d'affilée. C'est que je me répète quoi. Je me répète beaucoup. Et que j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Si je vais investir dans une table à roulettes, comme à l'hôpital, là, les tables à roulettes. L'étape de nuit à roulette qui serait en hauteur et qui serait en hauteur pour pouvoir être sur mon canapé et faire du DP, puisque là je fais du DP de mon canapé, mais la table que j'utilise est un petit peu haute et du coup je me braye le dos. Hier j'avais visite avec la péricultrice qui suit ma fille, parce que ma fille a des petits problèmes de poids et tout ça, donc sans rentrer dans les détails, voilà. J'ai une péricultrice du coup qui vient des fois à domicile et des fois on va à son cabinet. Et hier c'était une visite domicile et quand elle a vu ce que je faisais, en discutant, elle m'a posé la question si j'en faisais de mon canapé sur la table, parce qu'elle a vu la table qui était rangée à côté. Et je lui dis oui, oui. Elle me dit, mais vous devez vous brayer le dos. Et je lui dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc là, au mois de mars, je vais me faire un cadeau et je vais me commander une tablette. Une table à roulettes. Que je pourrais régler à la hauteur de mon canapé et être posé comme il faut sur mon canapé. Parce que là, en fait, vous voyez pas, mais je suis avachie. Avachie, ou alors je suis à genoux. Et du coup, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai des fourmis partout dans les jambes. J'ai des douleurs dans le dos, c'est très compliqué. Donc si toutefois vous avez un lien ou vous avez une bonne table pas trop chère, au pire donnez-moi des liens, parce que je pense que la vidéo sortira avant que j'ai acheté la mienne. Oh désolé, je baille. Donc du coup voilà. Vous savez quoi, on va prendre le B, hein, on va se faire la salopette. Le costume, faire un costume, ça va être intéressant. Voilà, je vais vous zoomer sur le costume. Alors. Ah. Tic tic, on va dézoomer un tout petit peu. Ouais, vous voyez la combinaison entière. Voilà. On va faire ça. Donc là, c'est du B et du D principalement. Donc on va commencer par le D. De toute façon, je vais sortir les deux, le D et le B. Et on va faire le D. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des combinaisons, il y a un porte-manteau et il y a des combinaisons. Mais de toute façon, vous avez vu la photo. Donc là, c'est les D, on a dit. Pas se tromper. J'ai trouvé cette photo super super sympa. Super sympa et pas courante. De toute façon, maintenant, la plupart du temps, quand je commande des DP, souvent, c'est des DP que je fais faire personnaliser et les photos viennent de chez Pinterest.
Alors par contre, je ne sais pas si les photos de Pinterest sont libres de droits d'auteur. J'en sais que dalle. Donc me tombez pas dessus en me disant oui, c'est peut-être pas libre de droits d'auteur. Hein. Déjà, celle-là, elle date de 2018, vous voyez, donc je suis pas sûre qu'on me retrouve. Et puis, de toute façon, j'ai essayé de retrouver la photo, on la retrouve plus. J'ai tapé sur Pinterest, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé un peu partout. J'ai rien retrouvé. Pareil, la toile d'Halloween que j'avais trouvée sur Pinterest, la toile d'Halloween que je vous ai fait récemment. Et ben pareil, impossible de retrouver la photo. Je voulais retrouver la photo pour vous l'inclure en vidéo. Et ben impossible. Et comme la boutique de ce vendeur-là a fermé, ma conversation qui était avec lui a été clôturée. Et du coup, je ne peux pas récupérer les photos. Donc comme ça, c'est plus rapide. C'est vraiment embêtant. Donc voilà, là ça va être pour tout le mois de mars, celle-là, tout le mois de mars. Alors, j'ai quelques dés là. Hop, hors dehors de la zone, j'ai quelques dés, je vais le faire. Hop. Je sais pas pourquoi AliExpress, du moment que par exemple une boutique a fermé, un truc s'est passé, ben on clôture la conversation et on supprime les conversations, il n'y a plus rien. Quand je vais sur la conversation, je trouve plus rien. Tout a été effacé, donc ce qui est plutôt nul. Donc, je suis désolée, vous voyez pas, mais j'ai quelques dés à poser et du coup je vais les poser. C'est en dehors de la zone et j'ai pas envie de retourner le caméscope, de rebouger le caméscope. Hop là, je vais revenir sur la. Hop. Là. Et toutes ces photos-là, en fait, je les avais sur l'autre groupe. Le groupe qui a été fermé. Et je crois pas que je les avais récupérées parce que je ne les retrouve pas dans mon ordinateur. Donc, peut-être sur un disque dur externe où j'avais toutes mes photos, peut-être que ça y est. Mais je suis même pas sûre et flemme d'aller chercher, franchement. Flemme d'aller chercher... Le résultat, on le verra à la fin, et puis on l'a en mini photo au-dessus, mais bon, c'est pas net. Voilà. Voilà, ça avance tout doucement. Je vérifie l'heure. Ce que je vais faire, par contre, je vais laisser encore un petit peu. Je pense que je vais faire le B avec vous et après je vais couper. Et ce que je ferai, je vous inclurai à la fin de la vidéo une photo de la case terminée et sûrement de l'avancée de la toile qui sera à 4 cases. J'aurai fini mon défi pour la semaine. Sur cette toile là pour cette semaine, la première semaine, c'est 4 cases à faire. Donc voilà. J'ai encore un petit peu de dé là. Voilà, juste là.
En tout cas, ce stylet est génial. Je pense m'en recommander un ou deux. Le mois prochain. On en attend un qu'on a commandé pour monsieur en bleu, du même genre. Et je pense que je vais m'en recommander un ou deux. Pour avoir de quoi changer un petit peu. Ils sont trop cool, ces stylos. Alors, je pense que peut-être j'ai oublié des dés, mais je ne crois pas. C'est pas après ça, orange. Et là, on est parti. Donc là, je vais faire juste la salopette. Je vais faire dans la zone que vous voyez. Alors là, il commence à plus y avoir de colle. Ah, mais je suis bête, j'aurais pu prendre mon superbe macaron de chez Cattleweed pour remettre de la colle. Donc là, on va bientôt arriver sur une demi-heure. Vous voyez, en une demi-heure, j'ai le temps de quasiment rien faire. C'est fou. C'est fou les heures que je passe pour faire cette toile-là. Je suis à 2 heures d'affilée, voire plus. Donc là, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire 2 heures de vidéo. Ou alors après, je fais un timelapse et mince. Et je vous montre, mais bon, timelapse, franchement, je trouve pas ça top. J'en faisais pendant un moment, mais je trouve pas ça top. Après, il y a des vidéos des fois que je faisais aussi en musique, je sais pas si ça vous plairait ou pas. Je me dis en musique ça pourrait être pas mal parce qu'en fait tous les soirs j'en fais à peu près 2 heures et du coup pendant que je suis devant la télé je pourrais filmer en musique. Ça pourrait être peut-être pas mal, mais bon, je sais pas. Je sais pas du tout, vous savez que je suis toujours plus ou moins encore en train de me chercher dans comment faire mes vidéos, comment faire tout. Voilà, vous avez des vidéos blabla. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire le B hein, quand même. Je vais essayer de faire au moins la combi. Donc là, je pourrais essayer l'embout de 3. L'embout de 3, celui-là, il est pas mal. Alors le problème avec cet embout, par contre, c'est qu'il est large. Il a les bords larges et c'est pas tout le temps bien fait. Vous voyez là? J'aime pas les bords larges, mais je n'ai plus d'embout à bord pas large. Donc je me tâte même limite d'essayer de le poncer avec un bout de papier poncé pour le réduire sur les côtés. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Je sais pas si je gagne pas plus de temps quand même à les mettre un par un. Je crois que ça marche aussi vite. Ah, vous voyez là, ah non c'est un ou c'est un D, non c'est un C peut-être. Je croyais que j'avais oublié un D. Mais non, ça a l'air d'être sur fond rouge, donc à mon avis, c'est un C. Ouais, j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 2 heures. Hein, parce que des vidéos de 2 heures, je pense que vous ne me suivrez pas.
Enfin, soyons fous, hein. Moi je suis bien Lorraine qui fait des vidéos de 2 heures. Donc soyons fous. Mais bon, en principe, quand je regarde des vidéos de Lorraine, sa chaîne c'est Diamant et Strass. Je fais du DP en même temps. Je la mets sur ma télé. Parce que j'ai une télé qui, du fait d'avoir la Free Pop, me permet de regarder YouTube sur ma télé. Donc du coup, je mets YouTube sur ma télé. De toute façon, si c'est pas la Free Pop qui met YouTube, ça sera ma console. La Switch, hein, je regarde YouTube. Donc du coup, je mets YouTube sur la télé et je balance la vidéo de Lorraine. Et puis, je diamante en même temps et j'écoute. J'écoute de temps en temps, je lève la tête pour voir ce qu'elle fait. Mais c'est quand même plus écouter qu'autre chose. Voilà. Mais j'adore Lorraine. Son accent, sa façon de parler et tout, c'est génial. Alors je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais elle regarde mes vidéos, ben coucou Lorraine. Je t'adore, JTD. JTD. Elle fait des fois des petites questions, par exemple au Québec c'est comme ça, mais en France c'est comme ça. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Des VS, un peu comme ça, voilà. Versus France versus Québec. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Bon, sincèrement, je vais finir ça avec vous là. Le B là, et après je vais couper parce que la vidéo autrement va être trop longue. Ça sera deux vidéos de plus dans la boîte puisque j'en ai tourné une avant. Mais bon, ça suffit pas. Deux vidéos dans la boîte, il va en falloir d'autres. Donc, tant que la pépette va faire dodo, je vais en profiter pour retourner une vidéo sur une autre toile. Là par contre, je suis un peu déçue parce que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de pierre collée comme ça là, vous voyez là, voilà, c'est collé, ça c'est collé, ça c'est collé. Ça franchement, c'est le truc qui va me casser les pieds. Alors je dois avoir un grinder, je crois que ça se dit, pour les enlever, mais moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas, je l'avais acheté. Parce que tout le monde le présentait, disait que c'était top. Je l'avais acheté, mais je m'en sors pas parce que je me suis retrouvée plusieurs fois avec des bouts de pierre qui étaient cassés. En le faisant une fois, deux fois, et de la petite poussière au fond. Donc non, non, je ne fais plus. Je vais passer mes doigts dedans. Je vais sinon appuyer avec mon stylet dessus. Pas celui-là, mais un autre que je me sers pas pour... faire pression et pour que ça se décolle, parce que je voudrais pas abîmer l'embout dessus, mais voilà, je vais être obligée parce que sinon c'est vraiment des fois en appuyant avec ses doigts comme ça, voilà, c'est des fois en appuyant sur les doigts avec les doigts comme ça, des fois juste en appuyant comme ça, ça cède. Ah oui, bah là oui, c'est ce qui est en train de se passer. Ça cède sous, juste en appuyant comme ça. Donc ça, ça va. Mais quand ça reste attaché, c'est vraiment embêtant. Alors, je suis en train d'appuyer, justement. Voilà. Oh mince, le papier s'est remis. Papier sulfurisé, il n'y a que ça de vrai. Alors Lorraine justement elle a montré du papier silicone. Alors j'en sais rien du tout si c'est bien ou pas. Là il y a un dé, là il y a un dé, là il y a un dé. Hein. J'ai zappé les dés, je l'avais dit.
papier silicone. Apparemment, ça a l'air d'être génial, mais je sais pas si on trouverait pour mettre. Puis moi, en fait, surtout, je mets du papier sulfu maintenant sur mes toiles parce que comme je les coupe, je coupe en cases de 10 par 10 ou certaines cases, je les fais plus ligne par ligne. Donc je sépare en plusieurs, et ce qui est beaucoup mieux. Et de ce fait, ben, j'aime bien écrire dessus, et pour faire mes... Alors il y avait une petite bavure, tant pis. Pour faire mes marquages, c'est beaucoup plus simple sur du papier sulfurisé. Donc je fais comme ça maintenant. Donc celle-là, j'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais les prochaines que vous allez voir, ou ce que vous avez déjà vu, vous verrez que il y a du papier sulfurisé. Je prends maintenant du blanc classique. Le premier prix dans mon magasin Auchan, pour ne pas le citer. Et il marche très bien. Vous pouvez le mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça n'accroche pas, ça ne fait. Ça marche très très bien. Et vous pouvez écrire dessus au marqueur, il n'y a aucun souci. Je sais pas si... essaie d'allumer la lumière s'il te plaît. Ça serait pas mieux. Ah ouais, je pense que c'est un peu mieux. Là, ça s'est vraiment assombri. Je suis désolée, du coup, vous voyez pas grand chose tout à l'heure. Mais là, ouais, on voit mieux. C'est plutôt cool. Donc après, je vais lever la toile et je vais vous montrer où j'en suis exactement. Ou je vous incorpore... Non, je vais vous... Ouais, non. Je vais vous incorporer la photo à la fin de la case finie et l'avancée de la toile où il en est. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple parce que là, il va falloir que je vous déplace la caméra, que je relève la toile. Ouais, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique. Ouais, vous voyez, là j'aurais pu faire du damier parce que c'était des grandes zones et j'ai pas pensé. Je viens d'y penser à l'instant de faire du damier. Ah, j'arrive pas à le faire décoller, ça me saoule. Voilà, c'est bon. Là, je suis bien contente puisque là, je suis sur une zone du coup où j'ai pas de bord, les bords chiants là. Ah mince, au-dessous. J'ai pas de bord chiant où il y a que du beige. Donc pour le beige, en fait, c'est la case G. Le symbole, c'est le G. Donc quand il y a plein de G, c'est le point G, lol. C'est le point G. Le point G, il est pas top. Parce que du coup, il faut. Quand c'est sur les bords, j'en ai beaucoup de lignes du G et c'est affreux. Ah, bah alors, la pierre a se met. Mais alors, il m'en reste deux là. Donc voilà. Je vous laisse là pour la vidéo du jour. J'aurais pas trop avancé, hein, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus, donc c'est un petit peu, c'est suffisant. De toute façon, ça a dû couper, vous verrez pas au montage, mais voilà ce que ça donne. Je vous montre, et je vous montre une partie là, et vous verrez tout à l'heure fini. Tout de suite après, là, il y aura la photo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.